Le monde n'est pas tout noir. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons voir quelque chose sur le marché. Comme hier, je vous ai dit hier que le marché devait toucher une zone. D'accord? C'est voilà la zone que nous avons tracée. Le marché devait venir toucher cette zone. Il y avait une forte probabilité de venir toucher cette zone. Ok? Parce qu'il faut toujours parler en probabilité. Pourquoi? Parce que entre nous, ne sommes pas des marabouts. Vous donnez un peu les prédictions. Ok? Ça avait une forte probabilité de venir toucher cette zone. Vous voyez que le marché a touché une fois, deux fois. Et si il était arrivé ici, il a cassé, mais vous voyez, il a fait beaucoup de mouvements là avant de casser. Et il a touché aujourd'hui pour la troisième fois. Vous voyez, dès qu'il a touché la zone, il a donné un signal pour mes élèves qui, je les prends en cours, ils savent les signaux de vente. OK? Après, ça, quand c'est comme ça, vous descendez au petit time frame, peut-être 5 minutes ou peut-être 1 minute, pour voir si ça donne le signal de vente. OK? Dès que ça donnait le signal de vente, il fallait vendre. Et si vous regardez bien là, il a donné un signal de vente. Regardez là. Ça a donné un signal de vente, d'accord? Il a reconfirmé encore ce signal de vente ici. Il a donné un signal, il a reconfirmé encore ça ici. Vous voyez un peu, vous vendez. Vous voyez là où le marché est à ce moment. C'est-à-dire quelqu'un qui a respecté ce signal-là, il est déjà en gain, d'accord? Il peut déjà sortir à ce niveau. Parce que celui qui est entré ici, il a mis son stop loss quelque part en dessous. Parce que tu mets son stop loss un peu, peut-être à 20 pips en dessous. Vous voyez que la personne est toujours déjà en gain, ok? Et si vous regardez, il y a à ce niveau, s'il a déjà fait 1 sur 2, voilà, parce que s'il entre là, ici, d'accord, il met son stop loss quelque part là, il est déjà à 1 sur 2, il peut déjà sortir. Voilà les gars, nous allons toujours observer, voir ce que le marché va donner. Voilà, parce que nous avons encore des positions sur le marché, mais moi j'ai coupé au moins 80% de mes positions. Nous allons voir ce que ça va se passer d'ici la fin de la journée. Mais une des choses très importantes, c'est que nous avons commencé le challenge de 10X aujourd'hui. Voilà, pour prendre, on commence avec 100$, pour prendre 200$ à 1000$. Ça, c'est aujourd'hui sur le premier jour. Nous verrons comment la journée va se passer, les gars. Voilà, à tout à l'heure, après le trade. Ciao.